Ou contre déploiement en force militaire, si j'ai fait débat en Haïti, li agité et provoqué gros désaccord dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Plusieurs jours après, États-Unis fin proposer résolution ça devant pays Mamio, semblait pas gagner rien qui fait concrètement jusqu'à présent. Proposition a traîné, États membres des Nations Unies ont été pas trop intéressés à l'idée pour t'envoyer soldats dans force intervention rapide ça. Amérique a souhaité venir dans pays à sous demande. Gouvernement Ariel Henry. Article ça qui sorti dans Miami Herald, plusieurs sources révélé proposition américaine dans sous route pour l'échouer. Pièce pays pas voulu engager. Selon sa journal Floride l'a rapporté, responsable dans administration Biden a débattu sous opportunité pour éliminer résolution ça cap si qu'il est dans mitan membre Conseil sécurité Nations Unies. Sous ce qui parlait à média américain dit pour force militaire ta rentrer en Haïti, faut que ta gagne un partenaire étranger qui manifeste volonté et puis pour offrir troupes li dans jou k'ap vini la yo. Miami Herald fait connait dernière évolution ça c'est un rêve diplomatique pour la Maison Blanche qui t'est espéré rassembler une force l'armée étranger qui t'a besoin de support, équipement, formation et soutien logistique pays États-Unis. Selon journal Floride là, pays Tonton Sam pas de jamais proposé pour le voyer troupes palio, ça qui t'a provoqué gros frustration beaucoup de palio. Plusieurs pays membres du Conseil de sécurité a exigé un plan concret qui écrit et puis préparé avant même votre résolution. Pays la Russie avec la Chine yo tous les deux montré publiquement gros inquiétude yo gagné devant Conseil là par rapport à déploiement yon force étrangère en Haïti. Divers pays dans le monde entier jusqu'à présent voyez proposition en jeté. Depuis le commencement discussion yo, la France t'est déjà écarté possibilité pour bay troupes alors que Canada bon côté pal t'est dit plusieurs fois li pap voyez force militaire terrestre même si yo déjà voyé en Haïti divers machines blindées dans avion nan jou ki passé. Gouvernement canadien vle pays yo fait don à Haïti pito nan bay l'argent pour aider la police nationale là. Pays Brésil lui-même selon sa journal Miami Herald rappelé concentré actuellement sous élection nationale yo gen pour organiser nan finissement mois octobre là. Gouvernement brésilien dit li pa kwen nan initiative ça mais responsable américain yo montre yo pa kwen non plus CARICOM qui gen 15 membres parmi yo Haïti gen capacité pour faire différence la souterrain pour kontyo. C'est vrai y a pas analysé des man Haïti ya mais plusieurs pays membres Conseil sécurité Nations Unies yo vle gen précision sous composition troup yo mais tout sous mandat force intervention militaire ça. Malgré la hésité, Canada considéré comme pays partenaire qui plus semblé qu'à déployer rapidement en Haïti. Mais jusqu'à présent, mandat force ça a toujours été flou, c'est ça journal Floride l'a écrit. En pile question à poser sous quantité soldats, combien temps l'a duré, qui risque qui gagnait pour mission ça si on t'avait lever siège terminal Varoua ou bien sécuriser un corridor humanitaire pour capable protéger distribution aide dans pays là. Journal l'a fait connait dans finissement article là, secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres mandé communauté internationale là pour travailler direct à Haïti pour river organiser une force rapide qui ca combattre gang yo qui contrôle les zones qui bail accès à port et puis route qui pi important dans pays a. N'a rappelé pour pays États-Unis renforcer proposition là, li appuyer sous chapitre 7 charte Nations Unies qui autoriser troupes militaires utiliser la force pour capable mettre la paix dans un pays qui membre Conseil sécurité a. Un nouveau rebondissement dans dossier l'armée étrangère ou bien force militaire étrangère qui te doit rentrer dans le pays a. Comme journal là il y a vocation en plus d'informer de former tout moi voulais en si peu de temps essayer aider moun yo comprendre rebondissement ça qui gagne dans dossier force étrangère qui t'a doit rentrer dans le pays mais te doit rentrer dans le pays a déjà selon avis en pile monde pour nous comprendre rebondissement ça qui fait dans dossier ça faut que nous font petit bac dans semaine qui s'est passé là. Nous pas aller trop loin, nous pas aller pratiquement dans dimanche qui était 9 octobre 2022. N'a pas changé. Gagné communiqué qui est sorti côté Antonio Guterres qui c'est secrétaire général Nations Unies qui t'a adressé une lettre à Conseil là
pour te attirer attention sur deux bagages. Pour là c'est pour te dire dans cas Haïti a effectivement gagné urgence pour une force rapide qui déployée pour aider résoudre ensemble de problèmes qui méritaient des solutions urgentes. Autrement dit, Antonio Guterres a demandé État membre Conseil Nations Unies pour te bail demande de gouvernement haïtien pour te bail demande Haïti à travers l'équipe Ariel Henry et allié yon bénéfice de l'urgence. Deuxième bagaille dans l'état n'a songé gagne au moins trois scénarios Antonio Guterres te envisagé. Premier scénario c'était une assistance technique à la police nationale d'Haïti qui va permettre que au moins yon gagne capacité et tactique et technique pour répondre à une série de opérations et bien yo ta doué faire pour combattre action criminelle nèg examen va faire dans pays a. Deuxième scénario a li te concerné yon force police internationale qui t'a venir avec des équipements adéquats, des équipements de haute technologie qui gagne des formations dans ça qui gagne pour avec anti gang qui t'a venir pour travailler avec la police nationale d'Haïti. C'est-à-dire yo t'a gagné pour eh bien venir dans unité spécialisée la police à travailler avec eux et sur une période de temps bien déterminée ou bien de manière progressive yo t'a pral et quitter graduellement à mesure que force armée la bail résultat. Troisième et dernier scénario c'était possibilité pour une force militaire internationale. Laisse ça un état ou bien un groupe état capable entendre pour envoyer troupes eh bien pour constituer une force qui pour venir dans un pays à. Et l'autre état membre Nations Unies qui pas voué soldats yo yo même yo capable bail de l'autre support et tant qu'on qui sont l'argent mais qui sont matériel et la trier. Et bien c'est sous l'aide ça que conseil a après à réunir au moins deux fois et dans différentes réunions ça yo les États-Unis te gen deux résolutions qui te travaillent sous yo. En première résolution que te travaille sous lui qui supporté par le Mexique, c'est résolution qui te concerné question sanction contre gang ak moun k'ap financer yo. Mais ces résolutions ça vendredi passé là, conseil là t'est adopté, t'est approuvé à l'unanimité. Maintenant, une deuxième résolution. Résolution ça que les États-Unis lui-même lui proposé à conseil là, lui concerné force militaire étrangère et force armée spéciale qui doit rentrer dans le pays, le gouvernement t'a demandé ça. Et c'est sous ça Luxon Saint-Ville se présente un reportage. Résolution ça il y a deux scénarios là-dedans, mes chers amis et auditeurs. Premier scénario les États-Unis, lui concerné yon tout dans scénario Antonio Guterres t'est proposé dans cadre lettre de cadrage l'IA. Salut, c'est une force de police internationale. Et deuxième scénario, son force militaire, même genre avec ça que dans lettre Antonio Guterres, côté on l'État ou bien on groupe État membre capable de voyer des forces pour venir en secours ou bien pour venir back up pays d'Haïti dans situation difficile liée là. Mais qui ça qui rebondissement? Rebondissement, c'est que bon série de États membres, eh bien, qui dit même faut que c'est sous fiel yo pour les États-Unis, t'as passé pour t'as voué troupes. Parce que yo pas comprendre ça, États-Unis a fait là. Pour yo même, bon, bah, qui pas dit, c'est ça que fait, yo exige fort question ça, li inscrit non cadre, li inscrit non plan, qui clair, qui concret, avant même yo t'as passé à vote dans question conseil là. Parce que yo dit les États-Unis pas qu'à décider lui-même de pas voyer soldats et puis l'a chercher un série de l'autre pays qui peut voyer soldats pendant ces temps c'est lui-même qui a coordonné. N'a pas songé dans même résolution ça il a été question que les États-Unis eh bien y intervenu dans question formation, y intervenu dans question sur l'autre soutien, équipement et autres. D'ailleurs c'est ça qui était écrit tout dans les bulletins reste là. Un état membre qui pas bail soldats, qui pas bail troupes, eh bien il y a capable bail de l'autre support pour l'argent, équipement et la trier. Et les États-Unis, à travers la résolution, ça, ils ont espéré bien de pays qui t'appellent voyer des soldats, etc. Donc, il y a un paquet de pays qui dit non, pas de question. Il n'y a pas de soldats eux-mêmes qui peuvent voyer dans le pays. D'après les pays, il n'y a pas de pas clair dans ça. Donc, les États-Unis, eux-mêmes, n'ont pas décidé de voyer des soldats et puis ils ont cherché de l'autre pays qui peut voyer des soldats. Donc, sur ce, résolution, ça, sous route, d'après Miami Herald, pour qu'on ait un échec. Et yo di m genyen des discussions qu'a fait puis ce monsieur dit là au niveau des plus hautes autorités américaines pour connait est-ce qu'il va pas faire camper sous résolution ça. Donc pas étonnant, il y a un retrait dans jour qu'a venir là des américains en ce qui a trait à cette résolution. Qu'on y a là, qui ça pour nous comprendre?
Nous avons dit ça là déjà, une bataille géopolitique tout cas fait avec question Haïti. Les États-Unis prennent une élection. Et deux partis en face, républicains, démocrates, ils ont toujours capitalisé tout sous politique étrangère là, dans cette bataille électorale là. Qui les États-Unis gèrent une série de dossiers sur le plan géopolitique à l'échelle internationale. Et dossier Haïti, c'est un là-dedans. Donc, les États-Unis, à mon sens, là, je salue Patrick Alexis, qui parle avec moi hier, je ne sais pas quelle intention vous voyez soldat. Là, même l'OE, c'est lui-même qui, derrière résolution, avec ta vle, gagne leadership là. Je ne sais pas quelle intention vous voyez soldat là. Parce que, bon, j'en tout, il y a bien à rire pour la prochaine élection, ça, pour ne pas prendre ça, pour attaquer. Et on garde ça passé là aussi avec l'Ukraine. Dans le cas d'élection qui a gagné en France récemment, je pense que Jean la France, ou bien Jean-Emmanuel Macron, lui-même, lui gérer question guerre et la Russie Ukraine, lui compter en pile, lui peser en pile dans la balance électorale et française. Là. Pour qui ça me dit ça? Parce que vous après, monde qui en face de vous, ou après, monde qui a fait débat avec vous, toujours il y a des questions qui viennent sur ça. Quelle est la position de la France, comment la France campe, comment la France gère ça, etc. Donc pendant que toute tractation diplomatique ça, pendant que toute divergence et diplomatique ça au niveau du conseil là par rapport avec question Haïti, question la MEA, je pense que c'est une opportunité en or qui offre à ni pouvoir ni acteur politique là. Monsieur, son carrefour, si nous avons un pays à vrai pour nous prouver ça là. Parce que pouvoir atteindre que Blanc a venu déjà. Et Jean Barreau a paraître là, ou bien comme l'impression, il y a possibilité pour Blanc pas venir. On sentit que le plus possible pour Blanc pas venir que le venir. Donc sur ce, ou d'accord, problème, c'est nous créer, c'est nous pour résoudre. Donc je pense que là, son carrefour important, j'aime vous dire là, pour nèg qui fait politique, yo, pour nèg qui n'a pouvoir, yo, pour nèg qui c'est autorité, yo, pour nèg qui dit qu'il y aurait un pays avant, hein, yo dit c'est nationaliste, yo, c'est cela. Eh bien monsieur, je pense que là, il faut pas exemple là. Ariel Henry, baron qui l'a le mais ça, certain, c'est lui-même qui est sous pouvoir toujours. C'est lui-même qui est premier ministre pays, c'est lui qui est en tête pays. Monsieur m'a dit nous ça, jeudi là. Pour problème qui vient là, au moins, on essaie de garder ce qu'on a ensemble.